Nous avons appris à gratter des cordes avec les doigts de la main droite. On va maintenant apprendre à les gratter avec le médiator. C'est un petit bout de plastique. Alors attention, on ne le tient pas n'importe comment. On va commencer. Donc je positionne ma main, je le prends par la pointe. Je replie les doigts, je le pose et je referme. Du coup, il y a juste la pointe qui dépasse. Je gratte ensuite toutes les cordes, soit vers le bas, soit vers le haut. Tu verras, sur la méthode, il y a des petits signes qui indiquent dans quel sens il faut gratter, donc ils sont écrits au-dessus des notes. Je l'ai fait en grattant toutes les cordes, mais on peut évidemment gratter les cordes une par une, et on va commencer par ça dans l'exercice qui suit, en jouant d'abord tout sur la corde de mi que vers le bas, puis en aller-retour, et même en changeant de corde entre la corde de si et la corde de mi. Maintenant, en aller-retour. Et maintenant, avec la corde de si en plus de la corde de mi. Il faut bien s'entraîner régulièrement pour que la main arrive à attraper la bonne corde à chaque fois. Quand on le fait avec les doigts, on sent les cordes, donc c'est plus simple. Quand on le fait avec le médiator, on a plus de mal à sentir quelle corde on gratte. Donc il faut bien s'entraîner pour que la main prenne ses repères.